Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un haul de mes achats que j'ai effectué chez Kiko. En fait, à la base je devais pas y aller, finalement bah là ils étaient à moins 70%, donc je me suis dit pourquoi pas aller faire un tour. Du coup j'ai trouvé quelques petites choses en fait qui ont fait vraiment de l'œil. Donc c'est parti. Alors j'ai pris en fait donc ce rouge à lèvres là, donc le packaging est super. Donc c'est la couleur, en fait c'est une couleur un peu violette. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait à la base je pensais que c'était vraiment vraiment violet. Et finalement c'est violet très très clair et c'est surtout pailleté en fait. Donc voilà, et je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, je vais essayer de m'avancer au plus près. Et en fait, c'est celle qui est tout près de ma bague, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, franchement, on la voit vraiment à peine. Mais je pense que celui-ci, je le mettrai avec un autre rouge à lèvres parce que ça se voit vraiment pas trop, finalement. Donc, mais bon, après, pour le prix, ils étaient à 2 €. 2 € au lieu de 7,90 €. De la même gamme, j'ai pris donc celui-ci. Alors, si vous voulez savoir les numéros de référence, c'est la référence 419 pour celui-ci. J'ai également pris du même packaging, en fait. Par contre, je crois qu'ils sont... Ah, voilà. Donc, voilà. C'est une teinte qui est vraiment foncée. Donc, je trouve que ça fait couleur cappuccino. Donc peut-être qu'à la caméra vous verrez que ça fait un petit peu gris, noir, etc. Mais non, vraiment la couleur est un peu plus claire. Et voilà ce que ça donne en fait. C'est celle qui est tout près de ma manche de swatch. Voilà, j'ai fait les swatchs avant pour que bah, du coup que la vidéo ne dépasse pas les 15 minutes. Donc voilà ce que ça donne. Donc à tester et puis bah, toujours un 2 €. Et c'est donc la teinte, c'est la 524. J'ai également pris des patchs. Si jamais renversé, si jamais à l'endroit, ça ira mieux. C'est des patchs en fait pour les lèvres. Donc c'est masque patch nourrissant pour les lèvres. J'ai jamais testé. Donc, il y en a 3 dedans. Et en fait, c'est des patchs avec voilà, le sachet, c'est des sachets comme ça. Donc je ne sais pas ce que ça donne, je vais voir, je vous en reparlerai. Et celle-là m'a coûté 2,30 €. 2,30 € au lieu de 4,60 €. Donc autant dire que c'était une bonne affaire. J'ai pris, donc là c'est vraiment les nouveaux en fait de leur nouvelle... je cherche le mot. Enfin bref quoi. Collection, voilà, c'est le truc. Leur nouvelle collection, donc ça c'est vraiment le thème. Bah là c'est double match, donc plus sport, etc. Mais c'est pas vraiment le type de thème en fait, je sais pas du tout. Donc enfin bref, du coup j'ai pris celui-ci, c'est un rouge à lèvres crayon et rouge à lèvres et crayon à lèvres. Donc là c'est la teinte 03, donc c'est Strawberry Pop. Donc ça c'est vraiment les... Je pense que c'est la collection de genre de sport en fait. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et par contre celui-ci, bah évidemment, c'était pas soldé étant donné que c'était la nouvelle collection. Donc ça m'a coûté 7,90 €. Alors, donc, ça se présente comme ceci. Donc c'est un feutre en fait. En fait, vous avez un embout, vous avez le feutre et l'embout pour le crayon. Donc l'embout pour le feutre qui se présente comme ceci en fait. Voilà. Et la couleur est vraiment vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez la voir, mais c'est celle qui est à côté du rouge à lèvres que je vous ai présenté là, de chez Kiko, celui au cappuccino. Donc voilà la couleur rendue. Et au niveau du crayon. Voilà, alors, hop.
Voilà, c'est un crayon comme ça. Et c'est pareil, c'est celui qui est à côté du rouge à lèvres que je vous ai montré. Donc voilà ce que ça donne. Et les couleurs ont l'air magnifiques. Alors, moi je l'ai pris parce qu'en fait, il y a la vendeuse, il y avait une vendeuse qui avait mis le même, enfin, qui avait mis le même et je le trouvais vraiment, vraiment magnifique. Mais bon, après, au niveau de la lumière, ça, enfin, dans les magasins, en fait, il y a les lumières, etc. Donc, s'il n'y a pas, c'est pas forcément le même rendu quand on l'achète. Mais franchement, il m'a l'air vraiment d'être vraiment pas mal du tout d'ailleurs. J'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite, j'ai pris, donc là, c'est un kit de rouge à lèvres maquillage. Donc là, c'est la collection de Noël. Donc, je trouve que leur packaging est super chouette. Alors ça m'a coûté par contre, que je vous dise pas de bêtises, 5,40 €. Donc par contre, je crois qu'il était soldé à, non, il était à 5,40 €. Et par contre, au niveau du prix, je trouve pas le prix là-dessus sympa, béton. Enfin bref, il était à moins 50 €. Donc, moins 50 ou moins 70. Donc voilà. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Un petit peu frais. Alors, au niveau de la couleur, c'est celle qui est à côté du violet. Donc, c'est une couleur un peu bordeaux en fait. Je vais vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne. Et franchement, il a l'air d'être magnifique. C'est un tresse lipstick. Ouais, franchement, il a l'air d'être super beau. Parce que je cherchais vraiment une teinte comme ça, j'avais du mal à trouver. Donc là, ça fait un petit peu bordeaux. Et vous avez également avec le kit en fait le petit pinceau, enfin le petit pinceau, le petit crayon à lèvres. Donc voilà, c'est toujours la teinte. Donc c'est crayon à lèvres. Donc là, par contre, celui-ci, je l'ai pas swatché, mais voilà ce que ça donne. Donc ça a l'air d'être génial quand même. Il a l'air d'être pas mal, mais par contre, alors, j'ai l'impression, sauf si c'est moi. Ok, d'accord, comme ça c'est fait. L'embout est cassé. Ouais, il a l'air d'être pas mal. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Mais il a l'air d'être pas mal aussi. Donc, à tester également. Après, qu'est-ce que j'ai pris en dernier? Du coup... Non. Ça c'est non. En fait, je suis en train de faire un swap. Je commençais à faire deux swaps en fait. Et du coup, je suis en train de vérifier que je ne me trompe pas pour de ne pas présenter ce que je vais offrir pour les swaps en fait. Donc voilà. Et du coup, je me suis pris en fait une eau de toilette. Toujours de leur. C'est de leur. De leur collection de Noël. Donc ça m'a coûté 14,90 € au lieu de 20 €, je crois, à peu près. Donc il y avait trois parfums. Donc ça c'est trois parfums. C'était une eau de toilette. Hein, donc voilà. Le coffret il se présente comme ceci. Hop. Alors j'ai essayé de bien vous montrer. En fait j'ai envie de garder le packaging. Il est super beau, mais donc voilà ce que ça donnait. Mais franchement il est super beau. Il est super beau, donc vous avez une petite étoile, je ne sais pas trop quoi là. Donc moi j'ai pris Fard et une Temps Passion, donc eau de toilette, donc voilà. Et il y en avait, je sais qu'il y avait trois senteurs, mais celle-ci c'était la plus, la moins forte et fruitée, donc j'ai adoré. Donc voilà, donc c'est par contre une de 100 ml. Donc il y a quand même de quoi faire, hein, sachant que j'alterne quand même pas mal. Voilà, donc franchement je trouve ça super sympa et surtout le niveau du bouchon en fait. J'ai l'impression d'avoir un diamant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc du coup c'était tout pour les soldes de chez Kiko. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, là je suis en préparation de deux swaps. Donc j'essaye vraiment de faire attention à ce que je vous montre pour pas que justement les personnes avec qui je fais deux swaps. Voyez en fait ce que j'ai commencé déjà à acheter. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien, ciao ciao.